Alors combien il y a là-dedans? Oh, ça va pas, tu vas pas casser mon cochon, non? Bah si, pour trouver de la monnaie, pour m'acheter une nouvelle chemise. De toute façon, il n'y a plus rien dedans et puis on n'a pas besoin d'argent pour t'acheter une chemise. Mais on fait comment? Eh ben, on va prendre ton ballon de basket et on va aller le troquer contre une chemise. Ah bon? Une chemise sans argent? Eh ouais, tu vas voir, la monnaie, c'est une longue histoire. Allez, Marcel, au marché! Marcel, au marché! Évidemment, pour faire le marché, l'argent, c'est plus pratique qu'un ballon de basket. Mais vous allez voir que sans argent en poche, on arrive quand même à s'en sortir. D'ailleurs, les échanges commerciaux existaient bien avant que n'existe la monnaie. C'est ce qu'on appelait le troc. Donnant-donnant, je te donne ce que j'ai et tu me donnes ce que tu as. Et le troc, ça marche encore, vous allez voir. À qui tourne? C'est à moi, monsieur. Vous aimez le basket? Ah ouais, bien sûr, ouais. Eh bien, ça tombe bien, je vous échange le ballon de Jamy contre 20 saucisses. Ah non, pas 20 saucisses, 10. 15 saucisses, il est signé le ballon de Jamy. Allez, hein. 15 saucisses, enlevé. Tu vois, Jamy, ça marche le troc. Merci beaucoup, attention à ce ballon. T'as vu ce que j'ai récupéré bon, déjà? Je veux pas de tes saucisses, moi. Ah ouais, mais les saucisses, ça s'échange bien. Puis ça peut se diviser en plus, c'est pratique. Allez, on continue. Ouais, mais moi, beau ballon, signé. Allez, 400 grammes. Allez, Jamy, 400 grammes de fraises. 400 grammes de fraises, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Qu'est-ce que je peux avoir pour ça, un kilo? Si vous voulez. Là, ça, deux beaux rougets. Deux si petits vous rougets, là, ouais, comme ça. Kilo. Bon, allez, ça marche. Eh ben tu vois, Jamy, lave-la ta chemise. Bah, j'ai déjà la même. Ah ouais, mais en tout cas, ça marche le troc. Ça marche, c'est quand même pas très pratique. Et puis, vous avez pas tout vu. Imaginez un petit pays, on va l'appeler le Jamyland. L'éleveur de bœuf, il a besoin de légumes, d'un kilo de patates. Seulement, voilà, lui, il ne peut échanger que du bœuf. Alors que doit-il faire? Découper son bœuf ou acheter 800 kilos de patates? Eh bien, à cause de toutes ces tracasseries, un jour, on a eu l'idée d'inventer une unité d'échange. Et à Jamyland, on a choisi l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or est difficile à extraire, il est donc rare, par conséquent, il a de la valeur. Et avec de l'or, on peut acheter des marchandises de valeur différente. Pour un kilo de patates, on va donner un petit morceau d'or, et pour une vache, on va donner un gros morceau d'or. Tu sais, Jamy, il n'y a pas que les métaux précieux qui peuvent servir de monnaie d'échange. Tiens, ici, dans un petit village du Niger, on utilise tout simplement du sel. Après avoir soigneusement fabriqué et décoré de beaux lingots de sel, on les range dans un gros porte-monnaie et on se rend à dos de chameau sur le marché voisin pour faire ses petites courses. Et ça marche aussi. Pour une louche de piment, deux petits lingots. Pour deux louches, c'est un peu plus cher. Le gros lingot, c'est pas mal, non? Si vous voulez retrouver les ancêtres de notre monnaie, je vous conseille d'aller faire un petit tour à l'Hôtel des Monnaies à Paris. C'est ici que l'on conserve tous les trésors de notre histoire monétaire. Tenez-vous bien, il y a plus de 2000 pièces. Ah oh bah ça, c'est notre pièce de 5 francs. Ah oh bah par contre, celles-là, elles sont beaucoup plus vieilles. En Gaule, les toutes premières pièces de monnaie apparaissent au 4e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 16e siècle. Pour fabriquer de la monnaie, on utilise tout simplement la technique de la frappe au marteau. Et puis au 16e siècle, apparaissent ces énormes machines, ce qu'on appelle des balanciers à vis. Celles-ci permettaient à Louis XIV de fabriquer ses médailles. Alors le monnayeur s'installait dans cette petite fosse. Ici, on plaçait une matrice pour le côté pile. Ici, une matrice pour le côté face et au milieu, ce que l'on appelle un flanc. Ensuite, il suffisait de serrer pour fabriquer une médaille ou une pièce de monnaie. Et c'est ainsi que l'on faisait des écus d'argent comme celui-ci qui date de 1770. Alors, pourquoi fabriquer des pièces de monnaie? Eh bien, revenons à Jamyland. Pour éviter de se retrouver avec des morceaux d'or de différentes tailles un peu partout, eh bien, pour s'échanger les marchandises, on décide de fabriquer des pièces de monnaie en or. Et quand je dis « on », eh bien c'est le chef qui décide. Et à Jamyland, c'est le roi. Le roi décide de fabriquer une pièce en or, le jamy d'or. Dans chaque jamy d'or, il y a
un gramme d'or. Un jamy d'or. Mais comme à Jamiland, on vend des choses qui ont moins de valeur qu'un gramme d'or, eh bien le roi décide de fabriquer une pièce qui vaut moins, une pièce en argent, le fret d'argent. Comme dans la mine, on trouve 10 fois plus d'argent que d'or, eh bien, il faudra 10 frets d'argent pour faire un jamy d'or. Si Sa Majesté veut bien me permettre, je pourrais savoir pourquoi le fret a moins de valeur que le jamy. Parce que le roi, c'est moi. Et maintenant que j'ai fabriqué des pièces d'or avec l'or de ma mine, eh bien, je vais utiliser ces pièces pour acheter des marchandises à Jamiland. Et je vais par exemple acheter une vache. Je vais acheter également un mouton et puis tiens, des légumes. Et maintenant, lorsque l'éleveur de vaches veut acheter des légumes, eh bien, il paye avec des pièces d'or. Et oui, Jamy, cette parité entre l'or et l'argent va servir de base à notre monnaie pendant très longtemps. Au 8e siècle, l'empereur Charlemagne impose son denier d'argent d'un bout à l'autre de son empire. Quant au bon roi Saint-Louis qui a régné sur la France au 13e siècle, on lui doit l'écu, une magnifique pièce d'or de plus de 4 grammes. En 1356, le roi Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais. Et le jour de sa libération, on frappe une pièce d'or qui est un peu l'ancêtre de nos francs. En effet, sur cette pièce, on peut lire « Francorum Rex », qui veut dire en latin « Le roi est franc, le roi est libre ». Quant à Sa Majesté Louis le 14e, il donne carrément son nom et son visage à sa monnaie, le Louis d'or. Et au milieu du 19e siècle va apparaître la célèbre pièce « Le Napoléon » qui va garnir pendant des générations le bas de laine de nos grands-mères. Aujourd'hui et depuis 1879, l'Hôtel des Monnaies de Paris est le seul établissement en France autorisé à fabriquer nos pièces de monnaie. Et les cadences n'ont cessé d'augmenter. Avec cette presse, par exemple, qui date de 1830, on arrivait déjà à fabriquer 15 pièces par minute. Aujourd'hui, évidemment, on fait beaucoup mieux. Mais avant de frapper les pièces, il faut d'abord les graver. C'est ça, nos pièces ? Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est en train de graver à l'envers. Et oui, car pour fabriquer des pièces de monnaie en grand nombre, il faut d'abord faire un original en creux qui va permettre de fabriquer un poinçon en relief qui, à son tour, va permettre de fabriquer des matrices en creux qui, à leur tour, vont permettre de fabriquer toutes nos pièces de monnaie en relief. Et tout ce travail commence ici, dans cet atelier de gravure. Mais excusez-moi, monsieur, où est-ce qu'elles sont vos chaînes de production ? Ah bien, la frappe des pièces courantes s'effectue à Pessac, près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Pessac, Jamy, tu veux pas regarder sur une carte ? J'aimerais bien y faire un tour. Bouge pas. Pessac. Ah oui, c'est juste à côté de Bordeaux. Bah dis donc, c'est pas la porte à côté. Hein. Par devant, Fred, nous on reste encore un peu avec les graveurs. Regardez ça, c'est un vrai travail d'orfèvre. Ici, on fait aussi des médailles et des pièces de collection. Attention, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tout sera contrôlé par l'abeille. L'abeille, c'est le graveur général, enfin plutôt sa signature. On peut l'apercevoir avec une bonne loupe sur toutes nos pièces de monnaie. Une fois fini, les poinçons partent pour Pessac où ils seront bien gardés. Et là, ils vont servir à la fabrication des matrices qui, elles, sont un peu les mamans de nos pièces. Et hop, roulez jeunesse! C'est donc ici, à Pessac, tout près de Bordeaux, que l'on fabrique la totalité de nos pièces de monnaie depuis 1973. Et tenez-vous bien, chaque jour dans ces ateliers, on produit 4 millions de pièces. Alors on trouve toutes les pièces de monnaie françaises, comme ces pièces de 20 centimes. Elles sont toutes chaudes, car elles viennent d'être frappées. Puis on trouve aussi quelques pièces étrangères, comme celle-ci. Ça n'a pas l'air français. Elles sont de quelle nationalité, celle-ci ? La Syrie. Ça, c'est la livre syrienne. Wow. Votre machine, elle peut frapper combien de pièces par minute ? 260 pièces par minute. Et il y a des machines qui en frappent davantage ? Le maximum de 700 à 800 pièces par minute. 800 pièces par minute. Et maintenant, on va remonter la chaîne. On y va. Pour fabriquer 4 millions de pièces par jour, il faut faire fondre environ 20 tonnes de métal. Mais attention, le métal que l'on fait fondre aujourd'hui pour fabriquer notre monnaie n'a rien de précieux. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent non plus, c'est simplement de l'aluminium, du nickel et du cuivre. Cela étant dit, on fabrique quand même des lingots. Et
on obtient ainsi des beaux lingots tout jaunes avec lesquels on va pouvoir fabriquer des pièces de 20 centimes, de 10 centimes, de 5 centimes et même le tour des pièces de 10 francs. Bon, mes amis, s'il n'y a ni or ni argent dans tout ça, elle vaut pas grand-chose, notre monnaie. C'est du toc. Ben non, c'est pas du toc. Et là-dedans, tu crois peut-être qu'il y a de l'or et pourtant ce billet, il a de la valeur. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour comprendre, il faut retourner à Jamilan. Le temps a passé, les affaires prospèrent, le maraîcher a un plus grand champ, il cultive plus de légumes. L'éleveur, lui, il achèterait bien tout ce stock de légumes. Seulement, voilà, dans Jamiland, il n'y a pas suffisamment de monnaie en circulation pour payer tout ce stock de légumes. En plus, les coffres du roi sont vides. Quant à la mine, elle est épuisée. On ne peut plus fabriquer de pièces. Alors que faire? Eh bien là, le roi, il a une idée. Il demande à tous les habitants de Jamiland de ramener leur or au coffre, en échange de quoi il va leur donner des billets. Ce qui nous donne, ici, 2 pièces, 2 billets. Là, 4 pièces, 4 pièces, 4 billets, 4 billets. Et il dit aux gens, allez-y, vous pouvez payer vos marchandises avec ces billets, et puis, si vous voulez récupérer votre or, c'est simple, vous ramenez les billets au coffre et je vous donne des pièces d'or. Bah t'as pas réglé le problème, Jamy, il y a autant de billets que de pièces. Attends, on n'est pas aux pièces. Le roi s'aperçoit que seulement 2 billets reviennent au coffre. Il reste donc 8 pièces qui dorment dans le coffre. Là, il va décider de fabriquer autant de nouveaux billets qu'il reste de pièces. Il met donc 8 nouveaux billets en circulation en promettant aux gens que chaque billet peut être échangé contre une pièce d'or. Tout repose donc sur la confiance. Seulement voilà, le risque, c'est que tous les habitants de Jamiland reviennent en même temps avec leurs billets pour les échanger contre des pièces, parce que là, il n'y aurait pas assez d'or dans les coffres. Bravo, Jamy, tu viens d'inventer la Banque de France. Elle a été créée en 1800 par Bonaparte. Et pour ce qui est de la confiance, t'inquiète pas, c'est pas pour rien que le billet de banque, on l'appelle la monnaie fiduciaire, du latin fiducia, la confiance. Bon, attention, faut pas les perdre, hein. En effet, la Banque de France décide un beau jour que les billets ne sont plus échangeables contre des pièces d'or. Mais on garde tout ce stock d'or dans les coffres pour garantir la valeur de notre monnaie. Chaque billet correspond toujours à un certain poids d'or conservé à la Banque de France. Ce système s'appelle l'étalon or. Il a fonctionné pendant plus d'un siècle. Dans le monde entier, les banques centrales adoptèrent le même principe. Leur monnaie garantie sur l'or. Pour le commerce international, c'était très pratique. Quand on voulait par exemple échanger des francs contre des dollars, eh bien il suffisait de comparer leur poids en or. Bon alors, elles en sont où nos pièces? Un peu de patience, Jamy, ça arrive, parce qu'attention, on ne taille pas directement les pièces dans le lingot. Il faut d'abord mettre le lingot à l'épaisseur de la pièce. On fait donc tout réchauffer et on étire le métal pour l'aplatir. C'est ce qu'on appelle le laminage. Et pour arriver à l'épaisseur d'une petite pièce, il y a encore du travail. Bon, avant d'être à nouveau étiré pour devenir un beau rouleau de métal fin, on va d'abord prendre une petite douche pour nous rafraîchir. Ça fait du bien. Ça y est, nous voilà fin prêts pour passer dans la grosse machine. La mitraillette ici, c'est la frappeuse de flanc. C'est elle qui va découper dans le métal de belles rondelles dorées qui deviendront des pièces de monnaie. Bon alors, si on se résume, aujourd'hui, non seulement nos pièces ne contiennent plus de métaux précieux, mais en plus, l'étalon or, c'est fini. Concrètement, ça signifie que toute cette monnaie que nous fabriquons ne correspond plus à des réserves en or. Alors, Jamy, ça vaut rien tout ça? Bien sûr que si, ça vaut quelque chose. Mais aujourd'hui, la valeur de notre monnaie est déterminée surtout par rapport à l'activité économique. Et puis, un petit peu par rapport au stock d'or. Et plus l'activité économique augmente, eh bien plus on est obligé de fabriquer des billets. Eh mais Jamy, t'es sûr qu'il faut attendre que notre activité économique progresse pour fabriquer de nouveaux billets et de nouvelles pièces? Non, parce que tu sais, c'est simple, hein. Il suffit de faire fonctionner la machine, comme ça on va fabriquer plein de monnaie et puis tout le monde sera riche. Ah mais non, ça marche pas ton histoire, Fred, parce que regardez, si on fabrique plein de billets sans que l'activité économique progresse, regardez ce qui se passe sur la balance, ça ne bouge pas. Il faudra simplement
plus de billets pour acheter une marchandise. Alors je sais ce que vous pensez. On dit qu'on ne peut pas fabriquer plus de monnaie que ne le permet notre économie. Et pourtant ici, de la monnaie, on en fabrique toute la journée. Seulement voilà, toutes ces pièces neuves ne sont pas mises en circulation immédiatement. Vous allez voir. Et oui, elles vont être stockées dans les coffres de la Monnaie de Paris, attendant sagement qu'on les appelle. C'est la Banque de France qui va décider de les mettre en circulation progressivement pour remplacer nos pièces trop usées et celles qui partent dans les poches des touristes étrangers. Elles vont suivre le même chemin que les billets qui, eux, sont fabriqués en Auvergne. Toute cette monnaie va d'abord être transportée dans les succursales de la Banque de France, puis distribuée dans toutes les banques pour atterrir enfin, si tout va bien, dans nos porte-monnaies. Et les billets comme les pièces, quand ils sont trop usés, ils retournent à la case départ. En moyenne, les billets reviennent dans nos caisses tous les 4 mois. Et à cette occasion, nous les trions, nous éliminons les coupures trop abîmées et nous les remplaçons par des coupures neuves. Et là aussi, on pourrait en fabriquer des billets en plus. Il n'y aurait qu'à faire tourner la machine et hop, en v'là encore. Mais si j'ai bien compris, la fabrication d'argent qui ne correspond à rien nous mène tout droit à l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix montent, et un jour, on doit payer notre baguette de pain plusieurs milliards. Quelle galère! Et les fausses pièces, parlons-en. On estime qu'elles représentent 1% de l'ensemble des pièces qui circulent en France. Alors, monsieur Constant, comment est-ce qu'on peut reconnaître une bonne pièce d'une fausse pièce? Comment on reconnaît une fausse pièce ou comment on reconnaît une bonne pièce? La couronne doit être bien jaune et non pas ocre ou un peu rougeâtre. La gravure doit être très belle, très fine, comme sur les pièces authentiques de la monnaie de Paris, et non pas savonnée, lisse. Et puis, il faut également que l'axe de la pièce soit parfait entre les deux faces. Bon, alors à toi de jouer maintenant, Jamy. Laquelle est la vraie? Laquelle est la fausse? Choisis bien. Oh là là, bah, je sais pas, moi, tiens. Et toi, est-ce que tu serais capable de reconnaître lequel de ces deux billets est faux? Parce qu'il y en a bien un des deux qui est faux. Eh bien, grâce à ce petit appareil, on va pouvoir le savoir. La Banque de France, pour imprimer certaines parties de ces billets, en l'occurrence celle-ci sur les billets de 100 francs, utilise de l'encre dans laquelle elle a rajouté des particules magnétiques. Eh bien, ce petit appareil détecte les particules magnétiques et quand il en a repéré, il fait du bruit. Bon billet. Faux billet. Oh bah tu sais, Jamy, depuis l'origine du billet de banque, les faussaires ont toujours essayé de l'imiter. Mais aujourd'hui, la Banque de France fait appel à une technologie très sophistiquée pour fabriquer ses billets. Dans l'usine de Chamalières, on fabrique une nouvelle gamme de billets réputée infalsifiable. La coupure de 500 francs, le Pierre et Marie Curie, est truffée de signes de sécurité secrets. Mais heureusement, il y en a que l'on peut voir à l'œil nu. Les signes de sécurité visibles à l'œil nu sont nombreux. Un motif à couleur changeante, la bande métallisée interrompue sur laquelle le dessin du billet se poursuit. D'autre part, dans le coin supérieur gauche, il y a une phrase inscrite en micro-lettres que l'on peut découvrir à l'aide d'une simple loupe et qui retranscrit une phrase prononcée par Pierre Curie lors de sa réception pour le prix Nobel. En tout cas, il y a 7 signes de sécurité visibles, mais ce n'est pas le cas de tous les billets. Tiens, le dollar, c'est la monnaie la plus contrefaite de la planète. Il paraît qu'il y a plusieurs milliards de faux dollars en circulation dans le monde. Oui, dis donc, ça fait quand même pas mal, hein. Tu crois qu'elle est bonne, celle-là? Je l'ai trouvée par terre. Bah écoute, après tout ce qu'on nous a dit, non, elle a l'air fausse, hein, cette pièce. Oh, mais tout est faux, mais tes Jamy royaux aussi, ils sont faux. Bah oui, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, un billet avec la reine d'Angleterre? Ça, c'est pas un faux, c'est un vrai billet, je l'avais ramené de mes vacances en Angleterre, c'est un billet de 10 livres. Et à l'époque, la livre, ça valait 10 francs. Eh ben, on va aller le changer. Eh ouais, comme ça, on pourra avoir 100 francs. Ouais, avec 100 francs, on va pouvoir... Si vous voulez changer de l'argent, c'est simple, il suffit d'aller dans une banque ou dans un bureau de change, vous allez voir. Bonjour mademoiselle. Bonjour, j'aimerais monsieur. Changer ces livres contre des francs, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Jamy m'a dit que ça devait faire à peu près 100 francs, les 10 livres. Ah non, plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? 71 francs 10. Oui. Eh ben perdu, Jamy. Mais c'est comme ça, les monnaies, elles fluctuent entre elles. Avant, avec 10 livres, on pouvait avoir 100 francs. Aujourd'hui, avec 10 livres, on ne peut plus avoir que 71 francs 10. C'est normal, regarde. Aujourd'hui, la livre, elle est à 7 francs 11. Et ça peut encore changer pendant la journée.
Ah oh, bah dis donc, t'as de la chance, elle vient de descendre à 6,90. 10 livres à 6,90. Ah t'as raison, on a eu de la chance, on aurait perdu encore plus, ça nous aurait fait 69 francs. Alors, pourquoi la valeur des monnaies change-t-elle en permanence? Eh bien, on va prendre un cas très concret, celui du Deutsche Mark, la monnaie allemande. L'Allemagne fabrique des appareils électroménagers, des télévisions par exemple, qui ont une excellente réputation. Par conséquent, les magasins d'électroménager anglais, français, espagnols, italiens ont envie de s'approvisionner en Allemagne seulement. Les entreprises allemandes, elles veulent être payées en Deutsche Mark. Par conséquent, les acheteurs anglais sont obligés de changer leurs livres en Deutsche Mark, les Français leurs francs, les Espagnols leurs pesetas, les Italiens leurs lire. Et là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Comme le Deutsche Mark est très demandé, eh bien son prix augmente. Pour acheter des devises en grande quantité, les entreprises passent aujourd'hui par des salles de marché de change comme celle-ci. Et le but du jeu ici est extrêmement simple, il faut acheter les devises le moins cher possible et les revendre le plus cher possible. Et pour acheter, eh ben, il suffit de demander. Vous voulez bien m'acheter 10 millions de marques là? Ah bah écoutez, c'est une très bonne idée, justement on est au plus bas de la journée. Je vais tout de suite demander un prix dans le marché. Et ça se fait très vite, hein? Très vite, Benoît! Oui, oui, oui. Tu peux me faire un marque Paris pour 10 millions, s'il te plaît? Oui, on est sur... Benoît, c'est celui qui est chargé d'acheter les monnaies au meilleur prix pour notre opérateur. Dans le jargon financier, on l'appelle le trader. 42, 72, à 7. Très bien, j'achète à 77 10 millions de marques Paris. Ok, tu as acheté 10 millions. Merci Benoît. Et le but du jeu, bien sûr, c'est d'acheter le moins cher possible. Alors. Tout à fait, c'est même ce qu'on vient de faire. On a acheté au plus bas de la journée. Et ça peut varier beaucoup dans une journée, une devise comme ça? Tout à fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ça a varié de ce qu'on appelle une figure, soit un centime, ce qui représente pour un montant de 10 millions de marques la somme coquette de 100 000 francs. D'accord, alors toutes ces fluctuations, bien sûr, vont s'arrêter le jour où on aura réussi à créer la monnaie unique européenne, le fameux euro. Mais ça, c'est une longue histoire. Alors je les vois là, mes 10 millions de marques. Tu sais, Fred, cette longue histoire est sur le point d'aboutir. En fait, elle a commencé à Rome il y a bientôt 40 ans, lors de la création de la Communauté économique européenne, quand 6 pays ont décidé de mettre leurs intérêts en commun. L'Europe a créé en 1957 un marché commun qui s'est sophistiqué au cours des années et qui est devenu le marché unique. C'est-à-dire que nous avons, pour nos 15 pays européens, un vaste marché dans lequel les biens, les services, les capitaux et dans une certaine mesure les individus peuvent circuler librement. Aujourd'hui, c'est plus l'Europe des 6, c'est l'Europe des 15. Et en 1992, on a signé à Maastricht un traité qui prévoit, entre autres, la création d'une monnaie unique européenne. Le 1er janvier 1999, tous les pays européens qui rempliront certains critères économiques pourront adopter la monnaie européenne, l'euro. Mais attention, avant d'avoir les pièces de monnaie euro dans nos poches, il faudra encore attendre un petit peu. Alors concrètement, ce jour-là, on décidera qu'il faut X francs pour faire 1 euro et X Deutsche Mark, par exemple, pour faire 1 euro. Et après, on n'y reviendra plus. Alors si ça devait se passer aujourd'hui, eh bien il faudrait 6 francs pour faire 1 euro et 2 Deutsche Mark pour faire 1 euro. Mais dis donc, Jamy, si on a tous la même monnaie, ça veut dire qu'on aura les mêmes prix partout? Ah, mais non, pas du tout. Si ça se passait aujourd'hui, encore une fois, prenons un même produit, le journal. En France, le journal vaut 6 francs. En Allemagne, le journal vaut 4 Deutsche Mark. Eh bien, comme il faut 6 francs pour faire 1 euro, le journal français vaudrait 1 euro. Et comme il faut 2 Deutsche Mark pour faire 1 euro et que le journal allemand vaut 4 Deutsche Mark, eh bien, le journal allemand vaudrait 2 euros. Vous voyez bien que les prix ne seront pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, Jamy, l'euro, la monnaie unique européenne, nous ne l'aurons pas dans nos porte-monnaies avant le 1er janvier 2002. Mais attention, on y travaille déjà. Alors à quoi ça va ressembler, cet euro? Ce seront de belles pièces, des billets également, mais nous aurons 8 pièces. 3 petites pièces rouges qui correspondent aux pièces jaunes actuelles, 5 ouais. centimes, 10 centimes, 20 centimes. Ensuite, nous aurons des pièces blanches, comme nos pièces de 1 franc, 2 francs et 5 francs, pour 1 dixième d'euro, 2 dixièmes d'euro, 1 demi-euro. Et puis enfin, nous aurons des pièces de 1 et 2 euros qui seront des pièces bicolores, comme nos pièces de 10 francs et 20 francs. En tout cas, avec 8 pièces et des billets, il y a de la place pour plusieurs personnages. On peut prévoir des personnages, le cas échéant, bien que ce ne soit pas facile, parce que naturellement, ce sont des pièces pour toute l'Europe, donc il faudra naturellement choisir. En tout cas, pas des personnages politiques, sans doute. Pour ça, c'est pas les idées qui vont manquer, n'est-ce pas, Fred? Mais pourquoi nous faut-il cette monnaie unique? Il faut une monnaie unique, je dirais, parce que pour le consommateur, c'est une bonne chose.
Vous savez que si vous quittez aujourd'hui Paris avec 1000 francs en poche et que vous allez dans les 14 autres capitales européennes, sans rien dépenser, juste en changeant votre argent contre la monnaie du pays dans lequel vous arrivez, quand vous reviendrez à Paris, sur vos 1000 francs, il vous restera 500 francs. Et puis il y a des tas d'autres avantages. Il y a des avantages pour les économies. Savez-vous qu'aujourd'hui en Europe, les entreprises, les particuliers dépensent au total 140 milliards de francs par an uniquement pour payer les coûts de transaction, c'est-à-dire le coût de change entre monnaies. Cet argent serait quand même mieux utilisé s'il était utilisé pour l'investissement, pour s'améliorer, pour être plus compétitif, pour faire de meilleurs produits. Voyons, si j'ai bien compris, en euros, la baguette de pain va coûter... je vais réfléchir. Eh, Sa Majesté Jamy ! Oui, mon bon ? Je me suis procuré le tout premier euro et regarde bien qu'ils ont mis dessus. Regarde ! Bah, c'est moi le roi !